Notre Père Céleste, nous disons merci pour parole. Et il y a un verset qu'on a appelé matin, c'est Isaïe 55, verset 10 et 11, qui dit non, les paroles sont de Dieu, pas jamais tourner vide, mais toujours accompli sa cœur désiré. Aidez-nous, Seigneur, pour ne pas entrer dans l'esprit de religion matin, pour ne pas venir dans la routine, que chaque jour nous entrons dans la parole, là, chapitre par chapitre, pour tourner dans la routine dans la vie. Non. Là, ça n'a pas même avec les pharisiens, yo, parole là, non, mais yo, mais yo pas appliquer le vrai. Aidez-nous, Seigneur, pour ne pas suivre tradition les hommes, plus que vérité parole. Yo. Aidez-nous, Seigneur, Jean que nous parlons dans le chapitre 9, là, pour nous constamment évangéliser le monde. Faire connaître que Jésus-Christ est sauveur, que le témoin est à la croix pour le payer des péchés. Et constamment pour nous apprendre le monde, qui c'est mandat qu'on a nous en tant que chrétien. Aidez-nous, Seigneur, pour nous croire, vérité ça, pour nous vivre vérité ça. Et nous prions pour tout le monde qui est dans la salle la matin. Peut-être que le monde qui a fait face à une situation réellement difficile dans le moment ça. Nous prions, on va accompagner les. Et c'est promesse. Qu'on va venir tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous va poser main de guérison sur tout le monde, Seigneur, qui est en difficulté. Et tout le monde, Seigneur, tout, qui a fait ça qui extraordinairement bien pour eux-mêmes, qui est dans la joie, qui tout le monde a marché bien, nous prions, on va affirmer dans ce qu'il a fait pour continuer à glorifier. Non, c'est prier dans nos prières, dans notre petit de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. C'est le message, non? Que faites-vous dans le royaume de Dieu? Que faites-vous dans le royaume de Dieu? Qui sait quoi faire dans le royaume de Dieu? Il faut qu'on bagaille quoi faire. Bien, bon Dieu, indiquez-nous. Rôle principal, non? Dans chapitre 9, là, dans le premier verset, yo. Luc chapitre 9, verset 1, Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelques maisons que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds, en témoignage contre eux. Ils partirent, et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Bon Dieu, montrez-nous, clair, qui mandat que le ballon en tant que chrétien. Deux bagailles rapides là. Premièrement, c'est évangéliser le monde. Constamment à faire le monde connaître qui le monde de Jésus-Christ. Ça, c'est un bagaille qui est extrêmement important pour nous-mêmes. Et deuxièmement, remettre le monde. Bon Dieu, toujours voulait pour nous prendre soin du monde physiquement. Et c'est un bagaille qui est important. Je suis toujours un exemple, un bagaille qui est moi. Je suis quitté l'église, je suis petit teenager. Donc, tout le marié, je ne peux pas retourner à l'église. Je travaille comme ingénieur informaticien pour une compagnie aux États-Unis. Et puis, un jour, je travaille tard, le malé, dans le parking. Dans le parking était très désert. Il y a deux ou trois machines comme ça. Mais la majorité du monde est allé. Et puis, je start machine, je ne peux pas starter. Je suis en lumière humaine. La batterie descend. Quand il y a besoin de monde qui ouvre un jump, un booster, je ne peux pas rejoindre. Et puis, je suis inquiété. Mais quand un jeune garçon qui était dans la compagnie, ça, qui était constamment à parler de bon Dieu, de Jésus-Christ, à évangéliser. Le nous prenons un petit break non, à midi, il toujours dit, viens manger sur table, je dis l'église, pas l'église, je travaille à la cafétéria, donc c'est là qu'on prend un lunch, et puis monsieur toujours à parler de Jésus-Christ, etc. Oui, moi, monsieur, pendant ma temps dans le parking, si on m'a sauvé, mais moi, monsieur, qui a sorti, vient dans le parking, et puis quand on ouvre, elle me dit, ah, mais mon bon Dieu, je connais à faire marcher, ah oui. Nope. Monsieur dit, machine n'est tout neuf. Il n'y a pas de chance pour le moment booster. Ça a causé problème à batterie. Et mécaniquement parlant, sans mentir, mais lui-même, il n'y a pas de et il n'y a pas de sous-servi. Il n'y a pas de sous-servi. Monsieur était viré. Même s'il te connaît que machine n'est pas de problème, mais au moins il t'arrête avec un problème. Non, moi-même, pour le résoudre, non. Monsieur viré de l'alphère de l'équipe de parking. Non. Et puis, il y a l'autre monde plus tard moi, qui vient apparaître. Comme je parking, il y a l'autre monde qui travaille tantôt qui vient. Et puis, je suis dit, mon seul sort fait là, je dis, batterie qui est dead. Même côté, la machine parle, et moi, ça n'a pas rien à voir avec bon Dieu lui-même. Et puis, la machine, il y a un câble, et puis, il y a un jump, et puis, nous start, et puis, nous sommes allés, nous bien contents, tous les démons contents. Quand il y a chaque à midi, le mal manger. Avec qui, mon voisin, mal manger? Avec le monde. C'est le monde plus bon que l'église. Je ne sais pas. Je me dis, monsieur, non, m'occuper. Je suis toujours occupé, quand il y a. Bon Dieu connaît ça. Et là que les banons deux bagages là, il dit non seulement spirituellement pour nous faire mon Dieu connaître qui bon que Jésus-Christ, mais il dit qui ça encore guérir maladie.
mot malade dans la capable traduit par plusieurs façons. N'a pas une Bible qui traduit par infirme. C'est parce que mot n'est pas limité seulement avec maladie physique. Il est capable physique tout, il est capable l'autre type de problème que monde n'a gagné tout. Ou après avant, il allait bon Dieu dit il libère puissance pour chasser des démons, mais c'est premier. Ça veut dire en pile monde ça c'est problème ça que yo gagné, bon Dieu voulait non seulement qu'on a évangélisé monde, mais faut n'a prendre soin monde tout, n'a capacité pas non. Faut n'a prendre soin monde. Gain y a un passage dans Éphésiens chapitre 4 m'a rappelé le connia que bon Dieu dit non libère des dons pour l'édification commune. Libère chaque monde qui a gagné don, de vous c'est chrétien bon Dieu bon don. Ou qu'on a conçu des bagages pas capable faire, mais gon bagages capable faire quand même. Et bon Dieu voulait pour utiliser les pour un même monde extrêmement important. Et Flanders a un travail là, il fait un peu plusieurs années encore. Il vient résister l'église toujours. Nous avons résisté l'église, nous continuons à résister l'église à cause de mauvais témoignages en monde. Il fait me perdre plus années toujours dans la vie avant que moi vienne comprendre que le message là pas dépend d'un monde, que c'est dans la parole bon Dieu que lié. Extrêmement important. Donc premièrement, vulgariser le message du salut qui est message pour monde comprendre que c'est des pécheurs, pas vrai, admettre que c'est des pécheurs puis pour eux croire en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Sans son croyance qui sauve eux. Ce n'est pas les œuvres qui sauvent eux, son croyance qui sauve eux. Mais deuxièmement, il faut contribuer à allègement souffrance moun sous terre ça. Et nous plus institution dans le monde qu'abé des moun, c'est l'église qui commence. Même le nous après yo vinn on vont dire genre à l'école c'est l'église mais c'est l'église qui commence. Quoi rouge? Là dans quoi rouge ou pas connait son institution chrétienne lié. Mais pour ça penser le gain quoi? C'est quoi Jésus-Christ dans lié? C'est chrétien qui fait yo. Quand il y en a pour les musulmans ont essayé faire pareil tout pour copier. Mais chrétien commencer les meilleures écoles du monde, c'est yo commencer yo. Les meilleurs hôpitaux du monde, États-Unis presque tout l'hôpital c'est l'hôpital ou bien baptiste ou bien presbytérien ou bien juif ou bien on l'autre religion. C'est chrétien qui a fait majorité œuvre dans le monde. Je dis en Ebola en Afrique, majorité monde qui quitté pays étranger pour aller en Afrique. Pour y aller aider, on a besoin de ces chrétiens qui ont. Et c'est ça que bon Dieu voulait pour nous faire. L'extrêmement important pour nous-mêmes. Mais bon Dieu, papa n'a fait rien, ça n'a pas équipé nous pour ça. Ou elle dit non. Verset 1er, Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Je dis, il y a un bon chrétien qui perd le diable. Vous comprenez ça? Parce que vous parlez mauvais enseignement dans la radio en Haïti qu'on y a qui parle de diable racial, tout le monde peur diable racial. Grand père me dit il était gros diable, c'est pas qu'un grand père. Mais quand tu comprends, quand dit ça, il dit la traversé fleuve à Tibonite, c'est mon mais en balai non, il dit la traversé fleuve là, il par contre prend aucun en canne en bonne canoë canot en rien lui-même. Et cheval de juste passer sous de l'eau, il marchait sous de l'eau. Mais ça c'est business pas monsieur. Diable monsieur, il aurait été côté au Yavel, il pas aucun pouvoir sur moi-même. Qu'a fait de diable racial, mon abdim? Bon Dieu dit non, qui ça libère nos pouvoirs sous qui ça? Sous démon yo, il a nos pouvoirs sous yo. Ou bien pouvoir sous yo, mais chasse yo au nom de Jésus-Christ. Moi, ça a aucun banon force, pouvoir ça. Et deux mots qui est un peu intéressant, un banon signification que yo gagne un peu. Force, c'est mon jeune dynamisme. On est, l'or est U, en grec, c'est comme son Y que lié. C'est là un jeune mot dynamique. Il veut dire puissance miraculeuse. Bon Dieu dit non, il y a une puissance, il y a une habilité, il y a une abondance, il y a un sens. Et pour le livre dit tout travail qui est merveilleux. Comme si moi, dans la signification mot, seulement qu'on bon message là-dedans. Là. Bon Dieu dit non, il y a une puissance miraculeuse, il y a une habilité, il y a une abondance. Ça veut dire moyen pour nous faire ça que nous faisons. Et ça fait sens, il y a la vie au sens. Et résultat bon, son travail. Ouais, moi, j'ai tout là-dedans, en seul coup. Et l'autre, exousia qui veut dire pouvoir, lui dit privilège, capacité, compétence, liberté. Pas dire que bon, m'a pas fait un homme, non, m'a pas compétent. Bon Dieu, baroule déjà, par Saint-Esprit, lui. Depuis bon Dieu, vous, yo, font travail, lui, équipe pour voler. Le bon Dieu, t'es appelé pour le ministère. Premier samedi, dit bon Dieu, m'a pas capable parce que moi, bégué. Premier, ça le fait, ça le fait. Lui, tiré bégué, hein. Je dis, de temps en temps, méditer quand même. On a un petit foie, on dit, j'ai un rat malade, nous comme ça va, oui. Même lorsqu'on a la foi, on a un rat quand même, oui. Donc, des jours, si vous êtes bien, il y a plus que l'autre. Mais le retirer, je ne peux pas parler bien, longtemps. Et maman m'a dit ça, maman avant de mourir, il dit, Serge, on quoi songer, j'en ai bégué. Il dit, bon Dieu, retirez bégué, ou pas, ouais, ça. Il dit, maman, on goûte quand ça t'a fait dans la vie, bon, pas, ouais, ça. Il dit, son bagage extraordinaire, bon Dieu, fait. Il dit, oui, il est équipé pour le ministère que le confirme, non. Si le moment ministère, on a enseigné par le bon Dieu pour parler constamment, il faut qu'on parle. Et bon Dieu, retirez-le. Et bon Dieu, bon, tout l'autre bagaille, tout.
nous sommes ministères qui n'ont pas bonne pression pour rien ici. Nous avons pas ça. Si nous avons pression, c'est pour lire la Bible. Et pour servir dans la capacité de quelqu'un, il va obliger l'église là, mais pour servir dans le royaume. Non, mais ça, c'est pas la pression, pam. Et ça, Jésus dit non là. Ah ouais? Il dit non, évangéliser, et il dit non pour nous prendre sur le monde physiquement. Ça, c'est bon Dieu qui dit, c'est pas moi-même. Nous ne pouvons pas avoir pression dans rien, mais toute bagaille qui besoin faire ici, bon Dieu, financer d'une façon bien ou l'autre. Il y a des gens qui sont dans la rue, nous avons des gens qui ont 10 millions dans l'église ici, qui ne sont pas dans l'église ici. Nous ne pouvons pas connaître ça. Il n'est pas dans l'église ici, mais il y a 10 millions. Bon Dieu connaît. Nous avons un jeune garçon qui a levé une lame, dit non, un jeune garçon haïtien, 23 ans, il vient sur la croix là, il relève 3 000 dollars américains pour l'église là. Et c'est miracle après miracle. Bon Dieu, ça prend sur l'église là. Toute la journée, mon quand je vais dans la rue, je vais me comprendre comme non, mon nom. Mal, tu comprends, non? Mais comme un dossier, non, avec des apports, tu as pris ça, tu as pris ça, tu as pris un paquet d'affaires. Il dit, yo, mon ouais, Paul, et puis il bat Paul, un paquet de cob, et puis Paul va même connaître qui mon nom. Moi, je dans la vie, comme ça. Bon Dieu, les équipes pour le ministère que le baron. Et bon Dieu, bon moyen. Pas prendre excuse, dis-moi, pas de moyen. Bon Dieu, de bonne habilité, de bonne force, de bon pouvoir. Nous avons plus que 100 ordinateurs dans l'église, là, dans l'école informatique. Là. Mais on connaît avec qui ça que le commencer? Avec un grand ordinateur. Ou avancer par la foi. Et nous parlerons du principe tout à l'heure dans le chapitre ça. Donc, remarquez que mot. Qui utilise la surtout dynamisme, là, côté de jeune mot dynamique. Là. Bon, c'est un terme qui est intéressant dans le sens que c'est bon bagage qui toujours avant, non? C'est là que nous avons un terme onction, que mon relais onction. Onction veut dire c'est une puissance que bon Dieu m'a moins pour être capable de faire un travail. Même qu'a perdu ça. Et c'est ça qui crée une confusion dans le corps de Christ. Il y a des gens qui connaissent l'heure, quelques versets, c'est de ce que bon Dieu a éteint dans la vie. Et bien, vous pensez que c'est ça l'eau qu'on peut dire? Non. Bon Dieu, d'où dans Ephésiens, chapitre 1, verset 13 et 14, les scellés avec source et l'esprit, hein? Ça, c'est un garantie que l'il ça finit là. Mais dynamisme, ça, qu'on a parlé, hein? C'est puissance, bon Dieu, barou, habilité le barou pour faire un travail spécial dans le ministère. Et c'est même ça que mon Dieu te connaît dans l'Ancien Testament. Ancien Testament, mon pas connaît source et l'esprit sur vous. Songez ça. Lors les Jean, qui chapitre comme ça, c'est 6 ou bien 8, m'assange, 8 je crois. En chapitre 8, dans Jean, il dit, moun par ka recevoir c'est l'Esprit bon Dieu, tout en Jésus-Christ pour qu'on mourit et ressuscité. Donc dans l'Ancien Testament, il par ka recevoir. Jésus par qu'on venir, par qu'on mourir, par qu'on ressuscité. Donc moun, c'est espoir que de gagner dans Messie qui a venu. David l'a vécu dans Somme de Jésus-Christ qui a venu. Isaïe a vécu de Jésus-Christ qui a venu. Il mette confiance dans les bagages futurs. Mais il va gagner c'est l'Esprit bon Dieu qui a habité. Mais il y a des dynamisme là, il y a des puissance là, onction. Chaque travail qu'a fait bon Dieu ba mon onction pour le faire. Betsaleel, le la bâti tabernacle là, bon Dieu ba l'onction pour travail là, c'est dynamisme ça. Mais ça on capable dire. On capable dire et on capable reprendre encore tout. Sur l'île avec des apôtres, après plusieurs fois, monsieur, recevoir l'an avec des apôtres, chapitre 1er, il recevoir l'an encore dans chapitre 4, n'est pas trois fois après même mon Dieu prier, il recevoir même bagaille là encore. Parce que nous avons fuite ou perdu onction. Samson, tu as perdu lui tout. Nous sommes ça? Ça n'a pas de rapport avec salut Samson. Relation avec bon Dieu était là. Mais il a mené une vie de défaite parce que bagage qui n'est pas conforme dans la ville. Il a perdu onction. Il a repenti, il m'a dit bon Dieu, puissance ça encore, habilité ça. Puissance, pouvoir pour travailler bon Dieu. Pour ça, bon Dieu était faire, combattre les Philistins. Bon Dieu rebalé encore. Et il fait travail avec encore. Donc c'est ça nous même pour demander bon Dieu constamment. Nous j'ai plusieurs côtés, nous j'ai même mot ça dans la Bible, avec les apôtres chapitre 1er, m'applique rapidement. Verset 8. Le Jésus songe dans Jean chapitre 20, verset 22, bon Dieu t'est soufflé sur monsieur. Le Jésus fut ressuscité, on y a les soufflé sur monsieur. Il dit, oh, recevez le Saint-Esprit. Comme ça dans Jean chapitre 20, verset 22. Donc, disciples t'es recevoir le Saint-Esprit, le Jésus ressuscité. Et puis après, il dit, oh, pas quitter Jérusalem. Pour ça, gagne l'autre toujours. Dynamisme là. C'est ça qui vous faut un témoignage. Si vous n'avez pas ça, vous avez une vie de défaite. Si vous n'avez pas ça, foyer tête en bas, travail tête en bas, tout bagage c'est la chair qui a fait. Et pas puissance, c'est l'Esprit bon Dieu. Vous n'avez pas souffrir tout pour personne. Il faut gagner onction pour foyer fonctionner. Il faut gagner onction pour ne pas faire magouille dans le travail. Vous n'avez pas chrétien pour faire magouille. Vous avez ça? Vous avez vivre selon la chair toujours. J'en ai dans 1 Corinthiens chapitre 3, des chrétiens Chanel. Mais on a besoin d'onction. Il dit non, mais vous recevrez une puissance. C'est le même mot dynamisme ça qu'il a. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous.
Ou après l'autre, c'est en vous. Il a parlé de l'autre, de Soan. C'est en vous. Ça, c'est sur vous. C'est onction, ça y est. Et vous serez mes témoins. Sans onction, ou pas de témoignage. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 4, apôtre, tu recevras encore sous les Acte 4, m'a pris ton verset pour même. Ou après, que dans Acte chapitre 1er, monsieur recevras. Acte chapitre 4, verset 33, apôtre, les apôtres rendaient avec beaucoup de force. C'est même mot ça, un dynamisme. Témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'est une grande grâce reposée sur eux. Avant verset 33, sous gardez ou après monsieur prier encore, et puis il recevra force là encore. Il recevra dans le chapitre 1er, il recevra dans le chapitre 4, et pendant trois fois dans le commencement, Actes des apôtres, après même monsieur prier pour même force là encore. Et constamment prier même pour force là. Dans l'église, quand on était avant de commencer Calvary ici, chaque trois mois comme ça, pasteur a fait un service pour ça. Non, mercredi soir, il fait un service côté pour nous recevoir onction. Et il faut dire que il y a des miracles qui sont faits dans ce service. Et son service côté, il fait toutes les de l'église sont venues. Et puis, il a prié, posé mes monde, prié pour nous recevoir en onction, bon Dieu. Mais pour toute bagaille, pour maladie, pour problème, un peu de monde qui vient malade, il guérit dans mercredi soir. Pour ça que nous avons fait ici, trop de dérapages faits dans la prière. Ici, il faut nous asseoir l'église dans son base biblique d'abord. Après, pour l'autre bagaille manifester. C'est la Bible qui, premièrement, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, bah oui. C'est enseignement d'abord. Donc, nous voulons l'église comprendre la parole de Dieu avant. Autrement, tout ça que nous faisons, c'est un dérapage, c'est une religion. Romains, chapitre 1er, nous avons le même mot encore, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une dynamisme de Dieu pour le salut de quiconque fait de bonnes œuvres. Non, va ça? Dans le bonheur, c'est un abdomen déjà, comme les pas l'hypocotant nous fait lever. C'est pas faire de bonnes œuvres qui s'allient. Pour quiconque, m'attendez, non? L'important, je me dis ça. Il y a un peu de monde qui a côtoyé, il y a un peu de monde qui connaît un capitaine des messages de l'église Calvary Chapel depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui veut que les gens connaissent ses croyances qui sauvent le monde. On connaît son guest spirituel, il y a toujours voulu répéter pour nous répéter, pour nous dire. Il dit donc pour le salut de quiconque croit. Le salut, veut dire pour nous sauver, là, oui. Pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi, par la croyance. C'est comme ça que on monde vit. Mon cas dit, mais œuvre important. Dans Yahoo, il y a un banatique qui commence à faire qu'on y a là depuis 3-4 mois. On a besoin d'un banatique sur religion, sur spiritualité. Mais mon cas écrit, ce n'est pas mon qui est chrétien. Et puis, il y a une bonne bagaille qui a dit, mais il y a tellement écrit au bien, ou qu'on prend un piège. Ou même si on a bien chita dans la parole de Dieu, ou qu'on prend un piège. Il faut comprendre la parole de Dieu bien. Pour ne pas prendre un piège. Il y a une bonne bagaille qui a dit, il n'y a pas biblique, mais il y a capable de prendre. Donc, fais un pile attention. Pour nous résumer, qui ça, verset audible, la Bible dit non. Ou le nom, premièrement, c'est pour nous faire qui ça? Évangéliser. Deuxièmement, qui ça? Que nous avons résumé l'anglais même monde. Ça dépend de qui ça, qui donne bon Dieu par où. Pour faire ça que le baou. Bon Dieu, l'église ici, nous accentuons pile sur l'éducation. Et pour ça, parce que leader sont éducateurs. Mais ministère bon Dieu baou, on les accentue sur l'autre bagaille. Bon Dieu ba nous chaque des dons différents. Même si mon cap éduqué, mon Dieu me connaît maintenant l'école primaire, ma bédé mon, ma travail, en ban avec mon, secondaire, même bagaille, université, même bagaille, dans la vie en général, c'est constat, c'est enseignement toute la journée. Donc, ministère ça, qui j'en peux choisir pour aider mon, l'enseignement, informatique, anglais, et c'est pas seulement dans l'église, non, là, dans la prison, yo. Au bon coup, nous allons ajouter deux autres prisons en janvier, nous allons ajouter prison Inch avec Saint-Marc, pour coup informatique, coup plomberie, coup anglais, et au fur et à mesure, nous avons notre bagaille toujours, nous avons notre plan. Pour y toujours une fois qu'on est après qui s'accueille. Mais pour ça, c'est comme ça que le ministre là est, parce que nous sommes éducateurs. Mais si bon Dieu, demain, si Dieu veut lui retirer l'éducation, pas obligé de l'église dans toujours. Bon, bon, si bon Dieu voit l'autre monde avec d'autres dons, l'a utilisé dans les pour les remettre le monde pour être capable d'évangéliser. Quand on fait cours ça, toujours gain Bible là d'ailleurs. Toujours gain une étude biblique dans chaque classe. Que tu lis ici, que tu es dans la prison. Bible, c'est ce qui est important. Ça n'a, éducation, c'est un moyen pour nous arriver à un fin. Fin qui c'est faire le monde connaître, qui monde que Jésus-Christ. Donc, bon Dieu, nous tous des dons, songez ça, pour nous remettre le monde, utiliser dans ça pour remettre le monde. Est-ce que évangéliser, remettre le monde, ça décrit la vie?
si ça ne veut pas dire que la vie, ou besoin de refocaliser. Ou pas focaliser sur l'essentiel. Focus ou mal placé. Donc, priez bon Dieu pour lui aider au bon dynamisme, là, puissance, là, pour capable représenter la façon que le mando pour représenter lui. Mettez parole bon Dieu dehors constamment. Lis parole bon Dieu. Partagez parole bon Dieu avec le monde. Isaïe 55, verset 10, dit non, comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi y en a-t-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Pour que ça passe à ça, c'est important. L'homme évangélisé, mon gars, il y a une question qui a posé. Ou pas de réponse pour vous. Ou pas obligé de réponse pour toute question. Pas de monde qui a une réponse pour toute question. Bon, ou capable de parole bon Dieu. Parce que ça a bon effet sur le monde quand même. Dis mon bon, m'a fait comprendre ça, dis non ou bien pas de réponse pour même, mais ça que me connaît, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Mais monsieur que parole ça a fait effet. Lui qui a proposé pas d'accord, pas comprendre. On joue la couche sur cabane là quand elle est dans moment de difficulté et puis verset ça net pop, il monte dans tête là. Gen monde c'est pourquoi Dieu yo vini yo metage nan devant kabanyo yo fait la paix avec le Seigneur. Pour ça parce que gen au traitant gon semence qui était planté déjà. Donc qui semer constamment parole bon Dieu ou abjoine résultat. Ça doit décrire la vie ou, et ça doit décrire la vie l'église lando. Rôle l'église et c'est un bagage qui en pile fois les nous dit ça un gens étonné monde. Rôle l'église c'est pas évangélisation. Vous comprenez ça? Bien que nous évangélisons constamment, mais ce n'est pas le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église, c'est l'édification commune. C'est aider pour grandir en maturité spirituelle. Lis Éphésiens chapitre 4, surtout, après ça. Le rôle ou même individuellement, c'est évangéliser. Le rôle de l'Église, c'est équiper pour évangéliser. L'Église n'est pas efficace dans l'évangélisation, même j'en crois efficace là, non? Tout le côté, il y a un monde là qui est là. Il y a un monde là dans toute strate sociale dans le pays. Vous êtes comme ça? Toute qualité. Gen quelques jeunes garçons qui n'aiment pas là, c'est dans la rue et toujours. Nous pas capable prendre. Nous pas capable prendre trop. Nous gagne environ combien monde dans bootcamp? Peut-être 20 monde. Comme ça nous quatre 20 monde, nous fait augmenter. Mais nous pas capable prendre en pile. Gen nous gagne relation avec là dans la rue. Gen yon un jeune garçon connaît qui devant Epidol en lui-même. Nous pas veut prendre du tout parce que c'est comme ça pour parents manger. Donc nous assurer nous que là l'école. Mais dans la rue, mais il là toi avec nous le dimanche. Là pas adoré. Donc, il y a tout toute couche sociale. Donc, c'est nous-mêmes qui habilité pour nous faire job là. Parce que nous avons toute qualité de monde dans le pays. L'église n'a pas qu'à lever pour la, toute la journée pour aller à la cité soleil, pour aller dans la montagne là-haut, pour aller tout côté, pour aller évangéliser le monde, pour aller dans le travail. Nous pensons que l'église a allé dans n'importe travail en Haïti et il dit bon, nous venons faire une journée d'évangélisation. Non, mais même chaque jour, nous avons une journée d'évangélisation. Parce que nous travaillons là-haut même. Donc, nous-mêmes nous équipons. Et à pile fois, nous invitons le monde à venir à l'église là. Et mon a fait la paix avec le Seigneur. Ce n'est pas l'église qui fait. Et parce que même vous avez fait travail déjà. Vous avez fait travail. Vous planté déjà. Quand vous avez fait la paix, vous avez besoin de l'autre assurance. Et puis bon Dieu fait travail dans le cœur. Si nous nous réunissons ensemble, comme ça, un travail spécial qui fait. Nous marions ensemble là. Nous avons la prière. Nous avons remis mon et puis mon d'accord. Mais vous faites job déjà. C'est le rôle individuellement pour constamment évangéliser le monde. Nous-mêmes, nous focus sur Acte 42. Il persévérait premièrement dans. L'enseignement des apôtres, ça c'est l'église. Premièrement, c'est l'enseignement des apôtres. Pour pouvoir affirmer dans la foi. Sous Éphésiens chapitre 4, j'aime de l'entour, ou après ça, enseignement des apôtres a fait pour vous. La foi pas flotter à tout vent de doctrine. En Haïti, gon bande moun, gon masse moun kap kouri constamment des miracles. Non, jeune, bah vrai. Au moment, c'est là, jeune nan, yo broup tout moun là. Au moment, c'est le jeune nan fini là, miracle fini là, yo broup pour l'autre côté. Et gardez si vous pouvez. Chaque 2-3 ans ou bien 5 ans, on pourrait qu'il foule l'un roup pour l'autre côté. Parce qu'il a flotté à tout vent de doctrine. Jean, Noël, dans Éphésiens chapitre 4. Mais le rôle de l'église, c'est affirmer pour ne pas courir des bails. Pour connaître que la relation qu'on a avec bon Dieu, c'est une relation personnelle. Et est basée sur, qui s'assure? La parole de Dieu. Et pas en l'église. C'est pas un mouvement. C'est pas un leader. C'est parole de bon Dieu. Il faut affirmer dans la foi et le savoir évangéliser le monde constamment. Tout le côté que Pio capable maintenant. Premièrement, l'enseignement des apôtres. Deuxièmement, communion fraternelle, qui c'est remet le monde avec don que bon Dieu Baou. Constamment à remet le monde. Remet le monde pas facile, non? Vous voyez ça? J'aimerais même dire, il y a un monde qui n'est pas aimable du tout. Il y a un peu de monde pour remettre aussi de genoux pour aller, pour la prière.
Parce qu'il y a un challenge. Il y a un défi. Et comme si vous faites même, je ne sais pas si vous avez ting ting pour vous qui limite ou abrivé. Comme un côté qui a fait exploser, vous essayez. Mais pour vous pas jouer, il faut que vous ayez un dynamisme. Dans la chair, vous perdez le match. Considère que vous avez un monde qui est sous le cœur, son monde qui fait un pile de bagages qui est mal. Qui est-ce que vous avez fait? Son monde qui nous a fait un pile. Mais mon avis, il est sorti pour lui entrer dans une relation sexuelle avec tout le monde là quand même. Tout le monde. Que tu étais petit monde, que tu étais jeune petit monde, que tu étais grand monde, que tu étais monde qui travaille. Monsieur filait tout. Tout net. Et son vagabond là, et ça qu'il a fait. Et puis je viens l'aime apprendre ça, je viens fâché parce que moi j'aime bien mon et puis mon c'est sale femme et puis je viens railler dans cœur. Mon avis pas vivre même quand tu as fait mon corps puis m'a rien n'a développé dans cœur. Vous connaissez ça belle loi Abraham mon. C'est de ça que l'aide bon t'a dit. Ou a développé ti il s'est d'estomac mon a joué la ville lui-même. Il va même qu'on aura il là et pour même et puis jusqu'à ce que m'entende un message que le pasteur a dit debout au rayon mon si au cap souffrir il dit lâchez mon nan soit pas lâcher mais je dois te prier pour lui ou pas raï mon va prier pour lui il commence à prier pour lui vraiment vrai jusqu'à maintenant monsieur continue à faire le même genre il t'a fait ça depuis les jeunes garçons faut ça gain 30 ans. Je suis possible pendant 30 ans, la fait même bagaille. Je suis en peut-être environ 15 ans dans 30 ans, moi-même, que je prie pour lui. Je fais un premier 15 ans à développer petit île célestement, je fais 15 ans à traiter. Mais, prier pour le monde. Mon ouakou bakaray meyo, prier pour yo. Devoir prier pour le monde ou bakarayil. Donc, prier pour le monde. Et troisièmement, dans la fraction du pain, qui veut dire ça? Verset Ambo, fin le long, sur l'écran. Le dit premièrement, l'enseignement des apôtres. Deuxièmement, communion fraternelle, remè moun. Troisièmement, fraction du pain, sainte scène, ou bien, ça on est capable de dire symboliquement, c'est rappeler nous ça Jésus-Christ t'a fait pour nous-mêmes à la croix. Et à la croix, Jésus t'a gagné victoire pour nous-mêmes, victoire sur la chair, sur la mort, sur le péché. Je ne sais pas pour nous-mêmes, mais je ne sais pas bonjour à privé que je n'ai pas de mauvaise pensée encore, non? Où est-ce que vous constamment, ou dans la chair, pour ne pas avoir de mauvaise pensée encore, il faut que tu aller vivre peut-être un côté loin, pour ne pas regarder la télévision encore, pas avoir un billboard. Bon, c'est des billboards qui viennent dans la rien. Bon, monsieur, quand on ça plus que mesdames, depuis l'heure seulement, on va regarder qui dans tête. Je ne sais pas si ça m'a dit, oui. Bon, mauvaise pensée quand même. Donc, pour ne pas avoir de mauvaise pensée, il faut retirer dans le monde, ça dit tout. Et mauvaise chance pour, ou que tu as trop déjà. Donc, même le retirer dans le monde, là, penser ancien, à venir quand même. Donc, nous avons un problème. Donc, nous ne pouvons pas réagir sur ce que nous pensons. Nous ne pouvons pas vivre en réalité dans la vie. Qui ne peut pas vivre en réalité, le nom assurez-nous que nous réclamons victoire, que Jésus-Christ est gagné pour nous à la croix. Victoire sur le péché, victoire sur la mort, victoire sur la chair. Réclamer victoire constamment. Et la prière, pas qu'à dire, c'est quatrièmement lié. Et comme si la prière, c'est constamment. Dans l'enseignement, il faut que la prière. Dans le même monde, il faut que la prière. Dans réclamer victoire, qui j'en parle réclamer victoire sur le péché? Par la prière. La prière, c'est un constant que lié. Il est toujours là dans trois bagages. Ça, c'est l'Église. Quand vous regardez première, l'Église, c'est ça le tape suivre. Et c'est ça, moi, ma voix, que l'on doit suivre tout aujourd'hui. Nous, il y a un bagage que l'Église fait pour nous tous. Même si il permet que nous mettions les ressources ensemble. Combien de bagages qu'on n'est pas capable de faire individuellement? Mais nous sommes capables de faire en tant qu'assemblée. Par exemple, nous faisons une façon pour nous dans toute prison en Haïti. Mais est-ce que même vous êtes capable individuellement de marcher dans toute prison en Haïti pour faire cours anglais, cours informatique, cours plomberie? Vous n'êtes pas capable. Mais en tant qu'assemblée, nous ramènerons tous nous ensemble pour nous faire travailler ça. Semaine passée, week-end passé, pasteur Georges qui débrichait là, dans samedi soir, il a parlé avec moi et puis il dit, il tellement aimé l'église. Il dit, moi, j'aime ça que moi. Il dit, moi, pardon, moi c'est le bon Dieu là, bon chaleur, il dit on sorte d'excitation. Il dit moi gon bagarre qui veut faire là. Il dit nous pas gagne missionnaire qui aller dehors. Il dit non, pas gagne missionnaire qui aller dehors. Ça va dans vraiment dans coutume nous ouais pour nous voyer missionnaire. Il dit mais faut nous commencer voyer missionnaire aller. Il dit que ça côté haïtien sorti en Afrique. Moi connais ces deux pays mais c'est une moins changer, c'est Guinée. À cause de tout, on a dit depuis Guinée, les gars, les donc on connaît Guinée, c'est on là dedans. Je dis, c'est Guinée. Je dis, mais il faut nous voir missionner en Guinée. Aller dans Souslan. Tout problème que Haïti gagne, il sort depuis Guinée, ça le dit. Il n'est pas même contre depuis Guinée, les gars, les là, non? Il n'est pas même contre ça, non? Il dit, c'est dans la racine, dans le sorti. Il dit, il faut nous voir missionner. Aller dans la racine, non? Non seulement pour problème dans le traité là, mais il faut aller dans la racine, non? Mais qui sont, ou qu'à lever pour aller Guinée, pour aller faire missionner? Ou pas capable individuellement.
même si tu n'as pas de corps, mais on a besoin d'un support, un réseau qui avait. Mais en tant qu'assemblée, nous sommes capables de faire ça. Et depuis le fin de ça, je commence à blaguer sur ça. Que bon Dieu, le vu en deux, trois mois dans l'assemblée, envoyez Guinée vraiment. C'est un bel bagage que lui dit. Oui. Allez Guinée, allez dans Souslan. Côté, il y a le marais, quelques mois dans le pays, ça, il le démarrer. Oui. Non, nous sommes capables de faire ça en tant qu'assemblée, en tant qu'église. Verset 3, il dit, non, ne prenez rien pour le voyage. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. On ne peut pas faire trop râler sur les mains, pas faire doctrine avec ça. Ça pas doctrine. Parce que puis devant, dans Luc 22, verset 35, Jésus-Christ va le dire au contraire. Là. Ça dépend du contexte, là. Ça dépend de quand on va aller. Hein. Donc, ce n'est pas une doctrine que lui. Pourquoi ça me dit non ça? Bon pasteur, que nous sommes tous capables de tout le temps dans la radio évangélique, on m'a dit qui radio que lui. Pour ne pas besoin de dire qui pasteur, mais. Parce que ça dit un bagage en l'air, pour que je ne comprenne pas ce qu'il a dit. Il dit que, il est sorti, et c'est États-Unis la vivre, il dit qu'il est sorti dans l'État États-Unis, il était pas évangélisé dans l'autre État. Et puis il dit que c'est verset ça qu'il a appliqué. Il n'a pas pris rien. Il dit, mais pasteur, je mentir là. Qui a un monde fait, et où route l'a fait, son route qu'a fait deux fois, au moins deux fois, distance Miami-Haïti. Il dit, mais qui a mis ça à aller? Il a mis ça à l'habiller? Il n'a pas qu'à l'habiller. Mais, si c'est avion le prend bien, c'est bus le prend, faut qu'il paye elle, mais faut le prendre. Debout prend quoi? Où prend toute bagarre avoir là? Mais quand est-ce qu'on prend? Monsieur dit, mais pas prend rien. Et ça veut dire rien. Pas prend ni bâton, ni sac, ni même dire rien. Où qu'on carte de crédit non mon? Parce que ça juif fait comme qu'on y a comme mentir. Juif donc que le samedi c'est sabbat, nous pas travailler, nous pas faire rien. Nous allons dans le restaurant, même comme nous pas manger. C'est carte de crédit là bas, mais carte de crédit qui s'allie. Et pas oublier, c'est son bluff oui. Donc Luc 22, 35 dit non. Il le dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit, de rien. En d'autres termes, fais bon Dieu confiance. Si bon Dieu voyait sans rien, m'bralé, sans rien. M'a fait le confiance. Mais regardez verset 36, Luc 22, 36. Et il leur dit, maintenant au contraire, oh, au contraire, que celui qui a une bourse, la prenne. Et que celui qui a un sac, le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée, vende son vêtement et achète une épée. Donc, pas une doctrine là. Il dépend du contexte. Là, bon Dieu, cadeau, fais ça, ou bien fais ça. Mais m'a fait confiance pour me faire ça que le mandé maintenant. Amen. Verset 7, Luc 9, verset 7. Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. Car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts. D'autres en qu'Élie était apparu. Et d'autres en qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait, j'ai fait décapiter Jean. Qui donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses, et il cherchait à le voir. Il était besoin de Jésus-Christ. Il y a une question sur Jésus-Christ. Qui est-ce que lié? Je dis qu'il y a des gens qui ont une question sur Jésus-Christ. Qui est-ce que lié? Nous ne pouvons pas aller trop sur lui parce que nous allons aller en pile sur ça de temps en temps. Mais je dis, nous ne pouvons pas prendre temps pour ça. Mais je vais quitter un seul verset de qui est-ce que Jésus-Christ est. C'est 1 Timothée 3:16. Pour moi, même si on a un verset plus clé dans le Nouveau Testament qui dit non, qui est-ce que Jésus-Christ est. Malheureusement, en pile dans la Bible que nous avons maintenant, il n'y a pas traduit bien. Mais il y a traduit bientôt. Il y a quelques lui second, ce n'est pas lui second qui traduit. C'est le monde qui remanie. Mais bonne traduction, même j'avais ça sur l'écran, qui c'est traduction d'Arbi. Et traduction anglaise, tout, si vous allez dans King James, ou avez besoin bien. Il y a un pile qui traduit bien, il y a un qui ne traduit bien. Mais si vous avez un logiciel, la Bible, qui a fait un mot grec, là, au moins vous pouvez prendre place. Côté héroïen, ou après qui mot grec qui la donne. Mot grec là c'est théos, qui veut dire Dieu. C'est là le jeune mot théologie. Donc, qui ça verset à dire? Qui mon, en parlant de qui on a parlé là? De Jésus-Christ. Et sans contredit, le ministère de la piété est grand. Piété, c'est capable de dire, façon qu'on a vivre la vie, non? En tant que femme de Dieu, en tant qu'homme de Dieu. Son vie de piété. Il dit non, le ministère de la piété est grand. Et puis, l'autre mot, qui est prochain mot là? Dieu, important, Bibou en kabagan Dieu, hein. Mais traduction c'est Dieu que lui, c'est mot théos qu'il a dans le grec là. Dieu a été manifesté, oh oh, Jésus Christ, bon Dieu, bah oui, Dieu a été manifesté en chair, c'est bon Dieu qui est venu en Jésus Christ, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été couru au monde, pour ça, pour nous croire, pour le salut, bah oui. A été couru au monde, a été élevé dans la gloire. C'est ascension, c'est bon Dieu qui est venu. Donc, extrêmement important. Qu'est-ce que c'est ça? Pour le monde ne pas dérouter, non. Parce que
ennemi an l'a questionné la divinité de Dieu constamment parce que sous pas connait qui monde que Jésus-Christ ou pas qu'à sauver. Il dit non ça. Dans Jean 8, il dit non ça toi. Il dit que vous mourrez dans vos péchés si vous ne savez que je suis. Si vous ne savez pas, amen, si vous ne savez que je suis, pas gain cela dans non, bon ceux qui dans quelque biblio, il pas la donne. Soit la version d'Abien ou pour ceux qui mettez lui en italique pour montrer ça pas en grec là. Sous pas connait que monsieur je suis ou mourir dans péché, c'est bon Dieu qui devenir en chair. Malheureusement, Wayward pas jamais connait qui monde que lié pour ça, il pas intéressé. Gain un peu monde qui besoin connaître de Jésus-Christ pour capable critiquer. Pour critiquer chrétien, pour critiquer christianisme, ou pas jamais comprendre rien depuis avec esprit ça qu'on venir. Wayward, quel pas pur. Jérémie 29 verset 13 dit non, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et Wayward pas chercher. Là que puis devant avant la mort de Jésus-Christ, il rencontre Jésus vraiment oui. Il pose Jésus question dans Luc chapitre 23. Jésus pas répondre. Parce qu'on est c'est temps et temps ça fait le perdu. Le verset 8, lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Pour ça, le devait à Jésus-Christ? Pour miracle. C'est dans le cirque que je suis allé, c'est dans le show que je suis allé. Mais j'avais campé le monde aujourd'hui, en marchant dans le jeûne, des miracles, il n'y a pas de Jésus-Christ. Eh bien, on ne peut jamais jeûner. Verset 9, il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien, parce que M. Pape cherchait Jésus-Christ avec un cœur qui réellement a cherché. C'est un show que M. besoin. Et dans verset 11, dans Luc 23, Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Ouais, il n'est pas intéressé vraiment, vrai. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Et Pilate lui-même parle besoin de questions. Qui question ça? Matthieu 27, 22. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? C'est question pour vous même matin. Qui sait quoi faire avec Jésus-Christ? Qui sait que te répondre? Qu'il soit crucifié. Nous avons souhaité même si pas ça commander. Mandez-le pour se sauver, pour se mettre. Verset 10, Luc 9, 10. Les apôtres étant de retour racontaient à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu et il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Jésus a un modèle extraordinaire dans verset 11 là. Qui s'est dévoué les disciples à le faire? À l'annoncer le royaume de Dieu, à le guérir malade. Qui s'est Jésus lui-même l'a fait? Même ça qu'il a prêché. L'a annoncé le royaume de Dieu et puis l'a guéri malade. Ça que leader Abdou fait, est-ce qu'il a vivre lui-même? C'est extrêmement important. Comment mon cap veut faire, mais il n'y a pas de problème. Il n'est pas intéressé. Il a voulu faire, mais il n'y a pas de faire. Il faut que l'a vive ça que l'a prêché. En verset 12. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. 5000 hommes, on connaît, depuis que l'église, toujours il y a plus de filles, oui. Donc, c'est qu'il y a 5000 hommes, il y a plus que 10 000 monde là, au moins, on manque quand même, un peu le monde là, toujours il y a plus de filles. Verset 14. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Bon, l'ordre là, ils firent ainsi et ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et ayant levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis, il les rompit, il les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restait. Mais on se comprend que la Bible dit dans Hébreux, chapitre 13, il dit donc Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire, ça que tu fais là, est-ce que Jésus a refait encore? Oui.
n'est pas obligé d'utiliser les mêmes moyens, mais le cas refait encore. L'extrêmement important. On m'a quitté l'église l'église après 12 janvier. Mais l'on a événement, on va voir, l'on sait après, on fait un recul. Après 12 janvier, il y a plusieurs monde l'église qui débarquaient. Côté de habiter dans Delma 41, bon, toujours habité là, toujours. Mon yote gon seul demande, pasteur, pas gen manger. Alors qu'on est en Haïti en général, majorité moun en Haïti, pas stocké manger. Ou reprendre, parce que pas gen courant, pour ta mettre barre dans le frigidaire, pour reprendre. Non, manger pas stocké, c'est chaque jour moun balle la marché constamment. Gen quelques bagay moun nan ka achete en gros, mais en général, majorité moun pas achete en gros. Donc imagine après 2 janvier, pas gen marché, pas gen banque pour aller la banque pour aller prendre cob. On prend tout le monde entravé, il n'y a pas qu'à manger. Et puis, même côté, on dit il faut une solution, il faut que tout le monde qui vient là manger. Parce que l'on dit tout le monde, l'église qui débarque là, même si on a vu une côté, on prend l'autre sujet, on prend de manger. Faire le chita, manger. Et puis, nous commençons à faire ça vraiment, oui, après 2 ou 3 jours, tout tire sur ce panneau, épuisé nous-mêmes, nous finissons, nous ne pouvons pas manger encore. Et il m'a dit ça qu'à faire, ça qu'à faire, ça qu'à faire, ça qu'à faire. Et puis, ça me songe, j'ai mon église qui gagne une boutique qui va en pile manger. Mrelé, il me dit, est-ce que boutique là ouvre? Il dit, non, non, non. Tout le monde peut dans le fameux boutique là. Il me dit, mais vendre ma boutique là à crédit, nous avons un cop d'eau. Nous avons 1000 gouttes après 12 janvier seulement. Tout le cop la banque, nous avons 1000 gouttes. Il me dit, vendre ma boutique là à crédit. Il me dit, monsieur, prenez machine, mettez tout le bail dans, tout sac dans la boutique, comptez, mettez tout dans le pick-up, pour tout le vin. Il me dit, monsieur, prenez madame moto pour lui faire manger. Je prends tout net. Non, mais par la foi, vous connaissez. Monsieur débarque avec charbon, un pile sac charbon, un pile toute qualité de bagaille. Monsieur, il était en boutique qui était bien fourni. C'est comme si bon Dieu était fourni boutique là pour nous. Et puis débarqué, et puis mon a débarqué, a mangé, 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 mais faut le finir tout, ouais. Pourquoi ne mange ça pas jamais fini? Moi ça jamais fini. Nous, bon pasteur, par contre côté le sorti, qui débarqué, sur les États-Unis, libre nouvelle, gagne le Manaïti et gon calvaire chapelle pour le prince, lui dit t'es mal aidé. Et puis il débarqué là. Li dans GPS l'a cherché adresse qui dans GPS. Li rive dans local là vraiment vrai, local là te fissuré, li pas jeune personne monde. Il dit quête que de majan yo là. Bon mon a passé dans la rue, il dit bon qu'on a pasteur que le pasteur Serge qui dégon l'église là. Il dit oui, me connais. Il dit côté lié. Il dit demain 41. Il dit connait qui bon, il dit oui, il dit menem. Mon na aller. Il dit bon Dieu voye nous venir d'eau. Ça nous café. Il dit manger, des bon capable manger nos bon, manger. Monsieur dit OK, on va motiver l'église pour voye manger. Li te gon ministère ki bo Saint-Domingue. On se comprend jamais yo fait. Li rele ministère Saint-Domingue nan, li mete le contact avec moi, pasteur Louis. Li dit pasteur Louis, chaque semaine pasteur Serge vous en Lisba ou même moi prend camion, faut tirer té en prendre libre ça, pa gagne en douane pa gagne. Li dit débarquer manger, m'a voye cob. Monsieur débarquer manger, débarquer manger, débarquer manger. Comme si manger a multiplié. On connaît le non fini. Kounya, on dit monsieur doit nous sortir dans camp, pa gagne mon encore, té gagne 300 combien mon dans camp, dit monsieur pa gagne mon encore, ou mettre camper. Je dis me camper, je dis même mon yo a bay toujours dans l'église pour manger toujours. Me dit monsieur mais dis au camper. Je dis même que ta camper comme même ça m'a fait avec yo. Me dit monsieur voyez venir n'a pas mon yo manger toujours la caillou. Kounya nous commence à acheter manger, nous fait 2 ans à pas acheter manger après 12 janvier dans l'église ça pour distribuer la caillou mon. Manger cru pour montrer j'ai Dieu multiplier lui ou avancer par la foi. Gamba le monde qui bon Dieu met en bas sur cœur yo. Il y a tant de ressources. Donc ben m'pas attendre comme ça. Le monde dit l'homme gain cob, le monde dit commencer pays ça gain problème monde qui pas connait li tout monde qui connait là tout en pas dans tout monde qui là peut-être exception you know deux connait li commencer montrer monde li ouais si bon Dieu pas développer un ministère comme ça va haut commencer avec les moyens du bord commencer avec 5 pains 2 poissons et puis tout monde a mangé et après des restes et gain principe pour nous là bon Dieu tu commencer Jésus commencer rendre grâce à Dieu lui dit bon Dieu merci. Commencez à dire bon Dieu merci pour ça le baouan, même si c'est 5 petits pains, 2 petits poissons. Dis-le merci pour eux, pas dire trop petit. Commencez à dire merci. Deuxièmement, commencez avec ça qu'on gagne. Et puis, baille moun. Aidez moun avec le peu que bon Dieu baouan pour essayer de jamais manquer. Ça est principalement avec papa. Papa, maman, c'est mon qui va même connaître lui. Et tu commerce il a fait dans la rue. Mais elle toujours de lui-même. Commerce là, moi littéralement, quand je fais commerce, en fait 2, il va en moitié, il prend moitié. Koul fini par la vie, même gens par mon avis, même gens par là. Mais quand tu comprends, il fait toute ville comme ça. Moi, pas jamais manquer rien dans la vie ça. Il pas jamais manquer. Et jusqu'à la dernière minute, avant que le mourir la bail. Il pas jamais visiter l'église ça un jour, mais le voyait cob. C'est la ville, la voyait cob, la BD jusqu'à ce que le mourir.
les États-Unis, l'église que le t'est passé longtemps, que le quitté longtemps, les continue à voyer comme la voyer comme dans Radio Lumière. Mon grand certificat là quand même, bah de comparant de ministère, ils ont contribué, mais bah jamais quand rien de non. Bon Dieu dit non, faire avec le peu qu'on gagne et puis pas gaspiller tout. Pas gaspiller. Un peu monde prend l'église, c'est comme Jado, gagne trois, gagne l'État, gagne l'église, gagne ONG. C'est comme ces trois institutions que monde pensait de bolade d'ailleurs mettre faire gagote. C'est comme si l'argent, bon, son l'argent, on que ça lié, et de faire boire qui est lié. C'est-à-dire que nous avons un principe ici, hein, tout ça qu'on va faire avec comme pao dans le poche, pas faire avec comme l'église. Si l'église, c'est une église qui est généreuse, et parce que l'idée est très généreux, je ne m'en vais très généreux, moins levé, très généreux, tout ça que m'a fait avec comme l'église, je vais mettre sûr, je vais faire avec comme pam dans le poche. Ça ne va pas faire avec comme pam, je vais faire avec comme Paul, qu'on confie au ministère là. Extrêmement important pour ne pas gaspiller. Et puis, pas focus sur matériel. Pas focus sur matériel. C'est ce monde-là, en général, qui focus sur matériel. Ce n'est pas nous-mêmes. Bon Dieu, tu as fait miracle ça déjà. Et la continue à faire. Pas quitter matériel là, dérouter nous. Même si constamment. Si, il y a qui a fait quitter le ministère là, plus rapide que normal, on le. C'est, si moi pas gain excitation ça pour mon a grandir maturité spirituelle mon a transformer depuis pas gain ça malade pasteur Steve t'ai prié dimanche passé bon oui il t'ai dit constitution on va le faire pour ne pas focus sur le matériel moi même si me pas focus sur lui mais et au même pas focus sur lui pas ça pas intéressé m'pas jamais intéressé avec le matériel c'est pas qu'on y en parler intéressé avec extrêmement important moi intéressé à nam sauver nam sanctifier mon a transformer mon a dépêcher. Et mon leader de l'église est capable de témoigner de ça. Même depuis que je suis jeune, je veux vous la évoluer. Je vais avoir un jeune pour beaucoup de témoins, voler beaucoup de témoins. Si vous ne parlez pas anglais, c'est vous-même qui m'a intéressé. Si vous ne conduisez pas, c'est vous pas intéressé. Si vous parlez l'école, c'est vous pas intéressé. Et c'est fait sur le monde pour focus. Connaissez le monde qui n'est pas intéressé évoluer, pas moi-même qui m'a poussé pour évoluer. Focus sur le monde. Et bon Dieu, toujours béni, ministère. Bon Dieu, tu as fait ça déjà. Dans 2 ou 4, verset 43, nous. Bon Dieu, tu as multiplié et mangé déjà. Son serviteur répondit : comment pourrais-je en donner à 100 personnes ? Mais Élisée dit : donne à ces gens et qu'ils mangent. Car ainsi parle l'Éternel : on mangera et on en aura de reste. Il mit alors les pains devant eux. Et ils mangèrent et en eurent de reste selon la parole de l'Éternel. Bon Dieu, tu as multiplié pain déjà. Ce n'est pas avec Jésus-Christ que le commencé. Il commence avec le prophète Léo. Jésus-Christ fait lui. Et je dis, on l'a poursuivre avec nous. Il y a un verset qui a un problème pendant un pile temps. Même bien réaliser que parole de Dieu, c'est oui, amen. Donc, ma petite question, je ne comprends pas là. L'homme lit, Psaume 37, verset 25, qui dit nous, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Mais dis c'est moun moi apparemment c'est moun yoyé mais qui n'a grand goût. On vient réaliser que c'est pas bon Dieu qui va faire job non. En général c'est moun nan qui font mauvaise gestion de sa bon Dieu bali. Pendant dans ministère là ou venir plus d'informations parce que plus on a pas la veille ou venir comprendre un peu plus. Voici de moun nan qui dans l'église là que moi connais personnellement qui peut-être a touché $200 américains par mois qui pas qu'à faire grand chose pour yo non. Il y a pas un iPhone pour $500 américains oui. Par contre c'est bon. Donc le monde ça vraiment vrai dans fin année elle pas payer Kaeli la mando la prière m'pa la prière non m'pa la prière pour ça m'a quitté bon Dieu mettez doigt à terre pour comprendre parce que c'est mauvaise gestion que yo bon Dieu c'est le peu que le baron commence avec le peu 5 petits pains 2 petits poissons dis merci pour yo gérer le bien garder pour si pas bon pas bon plus moi dis non ministère l'église ça budget le premier budget c'est des $250 américains par mois le nous prenons $50 voué l'hôpital général pour section abandonnée, Timon yo abandonné. Et je dis à nous, bon Dieu, abandonne plus Timon. Mais par contre, ça n'est pas arrêté, nous n'avons pas de Timon, nous n'avons pas de jeune. Nous avons commencé déjà. Depuis l'église, nous avons ouvert, nous avons un budget ça, $50 pour l'hôpital général, Timon abandonné l'hôpital général. On a $50 pour l'hôpital général, les filles handicapées en voie de culminance, qui sont l'autre association pour handicapés, qui mettent tête ensemble pour vivre, bonnes mesdames. $50, dans $250, $100 t'es retiré la dernière. Donc je dis, hein, le si je demande au budget de l'église pour un cop qui va aider mon, on va dire, oh, dans l'église grande église. On va dire ça vraiment. Hein? Mais on va réaliser que l'église a commencé fidèle avec le peu que ça va dire.
Et je dis, hein, tout ça quand l'église, dans au moins 10% allant dans l'autre ministère. Au moins, Mdo. Au moins. Il est toujours plus. Mais au moins, nous toujours retirer. Bon, mon compte fait l'église en promesse. On comme là pour venir 10% en l'autre ministère déjà. M'a besoin de rien. Comme si faut fidèle dans sa bande de baou, dans si sale baou, fidèle, aider mon Adam, faire sa bande de mando, faire avec lui et pour garder pour essayer de pas bénir. Monde là, enfin, j'en boule déroute nous constamment. Monde là, toujours focus lui, c'est sur le matériel. Mais nous même focus nous pas à quoi un monde là. Nous connaissons Gérard Depardieu, pas vrai, acteur ça, qui quittait la France, qui renié nationalité française lui, pour la faire russe de préférence pour ça. Parce que la France gagne trop de taxes. La France c'est presque moitié d'encore beaucoup qui prend leur touché. Mais ça l'en Russie, il fait le vin russe pour protéger 1 million de yeux. Et bien imaginez ça qui passe. Ben, il mal. Il y a le fin converti Kobli en rouble, qui c'est l'argent russe. Rouble en retili. Il va voir en gros. Il y a mon abri l'en moué, de Poutine, Fonjan, comme la baissé. Monsieur l'a couru, au moins, l'a couru pour l'appui, après. Il tombe dans la rivière. Il faut qu'il ne soit pas même j'ai avec Depardieu. Focus sur la croix de Dieu, pas focus sur le monde ça. Faire ça bon Dieu mandé que nous faisons. Nous en Haïti tout pour ça toute manifestation ça. Chaque jour une manifestation pour ça. Parce que bon monde qui besoin, qui pas ca joindre parce que bon monde qui prend trop gain pas ca joindre. Mon après l'amour. De nous même faut nous faire équilibre, c'est chrétien que nous y en nous aider monde, en nous remettre monde pendant que nous évangéliser yo. Nous aujourd'hui mon a courir des pouvoir. Mon gabé presque mourir. Et madame Mugabe qu'on y a là la branche école pour venir prendre place Mugabe comme dictateur. Si ça arrive, il va venir première femme dictateur dans le monde. Mais pour ça tout bien ça, l'argent et pouvoir. Moi avoir pas qu'à focus sur l'argent avec pouvoir. On a terminé avec 1 Timothée 6 verset 6 qui dit non. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. N'a vivre en tant qu'homme et femme de Dieu avec le contentement. Non content à sa bon Dieu banon kounia. Il dit non car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Nous connaissons Alexandre le Grand avant de mourir, il était dit qu'il mourit pour faire deux trous dans ses cœurs pour mettre le rester dehors. Parce qu'il était l'homme le plus riche du monde à l'époque, il dit pour moun ka wè men vide pour aller dans la tombe. Il va aller avec un rien. Et il te fait ça vraiment vrai. Le monsieur mourit, il a fait deux trous dans ce qu'il a pris, il a quitté main, dehors pour mon main vide que les bras. Verset 8. Si donc nous avons quoi? La nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Je vais manger sous corps, je vais manger pour manger, content, satisfait. Ben, l'action de grâce, il quitte le multiplier. Amen. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Et même dans l'église, il y a un pasteur qui a toujours dit, moi-même, objectif point, c'est pour mon multimillionnaire, pour mon avion privé. Mais ça me fait peut-être chargé. Pour faire qui ça? Pour m'aller forêt des pins? Mort ce moment, non? Pour aller faire qui ça? Pour aller évangéliser mon mais quand elle a pas gagné place là-dedans, comme si le bagage m'en a demandé. Comme si vous parlez pour ça, il faut un objectif. Si quand on prend les bagages avion vraiment, oui. Bon, tu as bon avion pour aller. Mais il y a un avion pour aller, qui bon marché. Ou quand il y a un avion ça pour quelques millions, et ça seulement. Ou pas tout, ou pas dépenser un paquet pour entretenir seulement. Hein. Même pour quitter l'aéroport seulement, si on peut payer chaque jour pour mettre le labo. On t'a chargé ça. Car l'amour de l'argent, verset 10, est une racine de tous les maux. Lisez bien, il y a des gens qui lisent le mal. Ce n'est pas l'argent, non, que le dit, non, oui. C'est l'amour de l'argent. L'argent n'a rien mal là-dedans. Il y a des chrétiens milliardaires, il y a des chrétiens millionnaires, il y a des chrétiens pauvres, tout. Vous comprenez tout. C'est l'amour de l'argent le problème, non? Et puis il dit, non, ce n'est pas ça qui racine tous les maux, non? C'est une racine. Et pas ça seulement. Il y a l'autre. C'est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Moi, ma voix, on nous focus sur l'essentiel. Évangéliser le monde, remettre le monde. Remettre le monde, pas facile. Mandez bon Dieu, onction, c'est l'esprit pour capable remettre le monde. Et puis, satisfait à ça que le baron. Amen.
Amen. Pendant que je t'ai terminé préparer un message ça et puis on chante dans tête moi qui pas dans bulletin pour même mais n'a chanté dans fin qui c'est 133 français qui dit non Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Amen. Amen. Notre Père céleste, nous merci pour parole. Aidez-nous Seigneur pour nous serrer parole ça dans cœur non. Pour nous pas pécher contre nous-mêmes, pour nous pas murmurer sur état financier non, sur problème dans la vie ça. Aidez-nous pour nous analyser pour nous voir si c'est pas nous-mêmes qui entre tête nous dans problème ça yo. Pour nous remettre pour nous faire confiance, non seulement pour solution mais pour nous vivre de façon modeste, j'ai commandé nous avec toute humilité pour nous faire volonté pour nous focaliser nous sur l'essentiel. L'évangélisation et l'amour du prochain. C'est pour y aller nos prières dans notre petit de Jésus qui vient, qui règne au siècle des siècles. Amen.